Coucou ma puce, ça va? J'écris pas pu. T'as écrit pas pu, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais des dessins? Tu fais du coloriage? J'écris pas pu. Oh, pas pu, d'accord. C'est pour moi ça? Tu m'appelles pas pu maintenant? Pas pu avec un petit cœur, c'est trop mignon. Et là, tu fais quoi? Tu fais une fleur, c'est ça? Oui. Waouh. Je suis en train de colorier la tige. D'accord, c'est super, en vert et en jaune. Alors, je vais te laisser colorier. Pendant ce temps, je vais expliquer à nos petits copains, nos petites copines, l'objet de cette vidéo. C'est pour faire la fleur. Ah, le jaune en fait c'est les pétales. Oui. D'accord, et le vert c'est le pistil. Ouais. D'accord. Alors les petits copains et les petites copines, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire un avion en papier. Oui, après on le coloriera, je suis d'accord. Alors, c'est pas n'importe quel avion en papier qu'on va faire aujourd'hui, puisque c'est le Concorde. Je sais pas si vous connaissez, c'est un ancien avion qui maintenant ne vole plus. C'était un avion français qui avait la particularité d'avoir son nez qui se baissait comme ça. C'était rigolo. Alors on va le faire. C'est un... T'as fini, fais voir. Fais voir. Oh, Ellie nous montre son dessin. Donc voilà, c'est une magnifique fleur pour Papu. Allez, tu me lances le générique, ma puce ? Générique ! Et nous revoici avec Ellie qui dessine un petit personnage. Oh, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble ce personnage. Fais voir, ma puce. Alors, tu lui as fait deux yeux. Un nez, une bouche. Non, ça c'est la bouche. Ça c'est la bouche, d'accord, je vois qu'il a des lunettes. Ouais. Là c'est son corps. Là tu lui fais ses bras. Ah ouais. Avec des mains au bout, d'accord. Qu'est-ce qu'il a aussi ce personnage? Un pied, deux pieds. Et il est mimi ton personnage, ma puce. Montre-moi. Oh, il est trop mignon. Oh, on dirait un Sylvain. C'est ce que c'est un Sylvain? Ouais. On dirait un Sylvain. Regardez les petits copains et copines, je vous mets un ici. Un Sylvain, c'est petit. Un Sylvain, c'est tout petit. Ouais. Les petits copains et copines, je vous mets ici. À quoi ressemble un Sylvain? Bon, ben ma puce, c'est vrai que c'est très très beau. Bon, c'est un Sylvain. Eh ben écoute, fais-nous des petits dessins. On va l'appeler Sylvain. Ah ben appelons-le Sylvain, il n'y a pas de souci. Nous, pendant ce temps, on va faire notre pliage qui va nous permettre d'obtenir le Concorde, ce fameux avion avec le nez qui se baisse comme ça, un peu bizarre. Alors les petits copains et copines, je vais mettre la caméra comme il faut pour que vous voyez bien ce que je vais faire en pliage. Et puis on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Et nous revoici les petits copains et petites copines devant notre feuille de papier. Donc je vais vous expliquer les différents pliages qu'il va falloir faire pour faire notre Concorde, ce fameux avion avec le nez qui se baisse. Donc la feuille déjà, on la prend dans le sens de l'horizontalité. On va pas la prendre comme ça. Souvent on a l'habitude de commencer les avions en la prenant comme ça. Et bien cette fois-ci, on va la prendre dans ce sens. Alors on la met dans ce sens et on va replier tout d'abord les coins supérieurs qui sont là afin de former une pyramide. Alors regardez, je commence, je replie le premier, je replie le deuxième et je fais en sorte de faire quelque chose qui soit très symétrique. Regardez bien, voilà, attention, voilà, là c'est bien plié, tac, tac. Donc là j'ai fait une sorte de petite pyramide, un triangle, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le premier pliage qu'il y a à faire. Vous allez voir, ça va très très vite à faire un Concorde. Il y a trois pliages et c'est terminé. Donc là, on a fait la première partie du pliage. Deuxième partie, je vais faire un autre pliage sur ce pliage. C'est-à-dire que je reprends mes bords et je les replie encore une fois. Regardez, tac, tac, je replie encore une fois. Et je fais pareil de l'autre côté. Je reprends mon côté et je replie encore une fois. Tac. Tac, et voilà. Donc là, j'ai fait un deuxième pliage. Et ben vous savez quoi, les petits copains et petites copines? On a pratiquement fini. Maintenant, je vais me mettre au milieu, comme ça. Je vais rabattre mes deux côtés. Tac, 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 voilà. Je rabats mes deux côtés. Donc là, on a fait une sorte de cornet de glace. Ensuite, je me prends à peu près le milieu et je fais un petit pli, comme ça. Voilà, comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je me retourne et je plie aussi comme ceci. Hop, à peu près à la même distance, histoire de faire quelque chose de symétrique. Et là, qu'est-ce qu'on obtient, les petits copains et petites copines? Si je déplie un peu les ailes, nous obtenons un superbe avion avec derrière
des réacteurs. Regardez, il a des réacteurs derrière, comme le Concorde. Et on va même pouvoir lui casser son nez comme le Concorde. Donc là, il suffit de faire comme ceci, de plier un petit peu. Hop, et voilà. Et on a plié le nez du Concorde. Alors, je vous le mets devant parce que vous voyez pas bien quand même, voilà. Donc, j'ai plié simplement le devant pour casser le nez du Concorde. Et là, regardez, derrière, il a des réacteurs. Waouh, de beaux réacteurs. Et là, deux belles ailes. Et on a cassé le nez du Concorde. Donc, on va comparer avec un vrai Concorde. Je vous mets l'image ici en bas. Regardez, ça ressemble ou pas? Quand même, hein? Ouais. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le colorier, ce Concorde. On va laisser libre cours à notre imagination et on va lui mettre de belles couleurs. Pour ça, je vais avoir besoin de l'aide d'Elie, qui est à côté de moi, qui nous a fait des dessins. Alors, Elie, qu'est-ce que tu nous as fait à côté? Alors, je vous fais un château de princesse. Un château de princesse? Fais voir ton château. Non, j'ai fait un bonhomme, j'ai écrit papu et j'ai fait un château. Alors, tu as fait un petit bonhomme avec un nez tout noir. Tu as écrit papu, c'est vrai, et tu as fait un château. Oh, il est beau ce château, dis donc. C'est un château de princesse. C'est un château, c'est une tour en fait. C'est la tour de réponse que tu nous as fait là. Waouh. C'est la varicelle, regarde. Elle a la varicelle? Ah oui, il y a des petits points. Waouh, j'ai jamais vu ça moi. Une tour de princesse qui a la varicelle. Il n'y a que sur Elie's Magic World qu'on voit ça. Elie, tu as beaucoup d'imagination, c'est super. Bon, les petits copains, les petites copines, on se retrouve tout de suite avec nos crayons feutres et nos crayons de couleur pour customiser ce Concorde. Parce que blanc, ben, il est un petit peu pâle quand même. Hein. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Ah, Elie, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le morse, ah. Tu en baves. Alors, les petits copains et petites copines. Oui, on va colorier, effectivement, tu as tout compris. Donc, j'ai fait deux petits Concordes. Un qui n'a pas le nez cassé et un qui a le nez cassé. Et tiens, ma puce, tu veux colorier lequel? Celui qui a le nez cassé, là? Comme ça? Tac. Non, ou celui qui n'a pas le nez cassé? Celui qui n'a pas le nez cassé, ah ouais, c'est plus joli. Alors, Elie m'a fait un deuxième dessin, regardez. Elle m'a dit, c'est toi, papa. Donc, et j'ai fait tes dents bleues. Elle a fait des dents bleues. Parce que c'était carré. C'est mes caries, j'ai les dents cariées. Non, mais je ne m'étais pas rendu compte de ça. Bon, ben, les petits copains et copines, j'ai les dents bleues. Elie m'a fait trois doigts. Trois doigts, voilà. Et j'ai des lunettes, voilà. Donc voilà, c'est la vision qu'Elie a de son papu. C'est rigolo. Donc vas-y, ma puce, colorie, oui, oui. Et moi, je vais faire pareil. Alors, j'ai envie de faire un petit coloriage un peu dynamique, un coloriage flamme. Alors j'y vais. Je vais commencer par le jaune. Pendant qu'Elie colorie aussi son petit, ton petit avion. Allez, c'est parti. Donc moi, je prends le jaune et j'y vais. Alors, moi, je vais faire un avion de toutes les couleurs. Toutes les couleurs? Ah ben vas-y, fais un avion de toutes les couleurs. Alors moi, je vais faire un avion qui va être jaune au début. Voilà. Moi, bleu. Voilà. Et puis j'ai envie qu'il donne un effet de flamme. Alors vous allez voir. Tac, tac, tac. Maintenant que j'ai fini le jaune, hop, je prends le orange. Est-ce qu'on a le droit de colorier derrière? Bien sûr, tu colories où tu veux, mon bébé. Et là, hop, on perd sa couleur. Un peu d'orange. Et voilà les petits copains et les petites copines, j'ai fait le premier côté de mon avion, de mon Concorde en flamme. Il faut faire l'autre. Et maintenant il faut faire l'autre, oui. Alors je vais faire pareil et puis je vais un petit peu améliorer, faire les petites finitions. Et toi, tu fais un arc-en-ciel? Alors les petits copains et les petites copines, on se retrouve quand on aura totalement fini de customiser nos avions. Et puis vous pourrez voter pour l'avion que vous préférez. Allez, à tout de suite. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Alors Elie s'amuse avec son avion qu'elle a colorié. Est-ce que tu peux me le montrer, ma puce? Oh, voilà, c'est magnifique. Franchement, c'est de l'art. Oh, regardez-moi ça. Les ailes sont bleues, roses, rouges. Oh, dessous, c'est noir, c'est normal parce que dessous, bah, en fait, c'est la poussière hein, qui salit l'avion. Oh, regardez oui, ça. Dessous, c'est
c'est la poussière qui salit l'avion parce que l'avion il est sale. Bah oui, quand il se pose comme ça, ça fait de la poussière. Mais le dessus est magnifique, elle a même colorié. Oh, comment j'ai dit colorié? Elle a même colorié l'intérieur, regardez, c'est magnifique. J'ai fait les travaux dedans. T'as fait des travaux dedans? Oh, mais même dedans aussi t'as colorié. Bon, c'est super. Franchement, tu m'as fait du beau travail. C'est du bel ouvrage. À toi. À moi, alors moi. Moi, j'adore. T'adores le mien? Alors, je vous montre le mien, les petits copains, les petites copines. Voici le mien. Donc moi, comme je vous disais, j'ai fait un effet de flamme sur les côtés. Voilà, alors je vous l'ouvre, vous le verrez mieux. Voilà. Et sur le dessus, j'ai fait un effet de glacé, de glaçage, je ne sais pas comment on peut dire, avec du bleu, de la Reine des Neiges. Tu l'adores le mien? Et dedans, on voit du rouge parce que ce sont les réacteurs en fait. Et quand il va très très vite, il s'enflamme dans les airs. C'est pour ça qu'il a des flammes en fait. Hein. Donc voilà, ça c'est le mien et dedans c'est ouvert. Quand il se pose, il a de la poussière derrière. Ouais, toi il a de la poussière, moi il a pas de poussière parce qu'il reste tout le temps en l'air le mien en fait. Il se pose jamais, c'est pour ça qu'il est pas sale. Et donc, le Concorde, qu'est-ce qu'on peut faire au Concorde, tu le sais? On peut lui casser son nez. Alors, tac, on lui casse son nez. Et quand il se pose comme ça. Donc il casse son nez comme ça, et il se pose comme ça. Et il se pose comme ça. Et voilà. Donc les petits copains, les petites copines, votez pour l'avion que vous préférez. Est-ce que c'est celui d'Elie avec son nez? Mais Elie, son nez travers. Comment tu m'as cassé son nez? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est travers son nez, tu l'as mis travers. Là il fait n'importe quoi, il sait pas où il faut aller, il fait que tourner l'avion. Je sais pas où il faut aller. En fait, il faut le casser mais comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il se casse son nez. Tiens ma puce. Elie, elle a fait n'importe quoi. Elie, elle casse son nez. Tiens, allez, je vais le casser comme ça. Tiens, allez, hop. Voilà, j'ai cassé le nez. Ouais, j'ai cassé mon nez. Ah là là. Bon, non, t'as recommencé. Tu l'as mis n'importe comment. Oh, t'es une canaille. Bon, les petits copains et copines, votez. Soit le mien, soit celui d'Elie. Dites-nous-le en commentaire. Nous, on vous fait de gros bisous. J'espère que cette vidéo... Bien, oui. Oh non. J'espère que cette vidéo vous aura appris à faire un Concorde. On vous fait de gros bisous, likez, partagez, commentez, abonnez-vous surtout. Oh là 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 là, Elie. Alors ça y est, Elie, elle est partie sur le nez cassé. Ça y est, et le mien, tu me le casses le mien? Vas-y. Ah non. Alors ça, c'est plutôt quand ils s'écrasent. Hein. Au début, ils sont comme ça, et après ils font « Oh, mayday, mayday, mayday !» Et là, le nez, il est cassé. En fait, est-ce que ça vole? Tu vois? Eh, ça vole pas mal. Tu vois? Waouh! Alors Elie, elle le fait voler comme ça. Elle le jette. En fait, Elie, il faut prendre par ici, tu vois. Tu le prends par-dessous. Elle a disparu, Elie. Voilà. Tu le prends partout et tu jettes comme ça. Ouais! Oh, je me suis pris dans la tête! Attention, l'avion revient. Bref, ça vole vachement bien en plus. En plus d'être beau, d'être facilement réalisable, ça vole vachement bien. Puis moi, ce que j'adore, c'est les petits réacteurs derrière. Hein. Dans ce pliage, faire des réacteurs, c'est top. On dirait presque une fusée. Elie, tu l'as acheté à... Oh là là, non, elle l'a acheté au milieu de la carrée. Allez, on vous laisse les petits copains et copines. On vous fait de gros bisous et on se laisse sur le Concorde d'Elie. Oh, le Concorde, 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 Concorde. Bah Elie, tu fais quoi? Tu lui casses le nez? Oui. Fais voir. Fais voir comment tu lui as cassé le nez à mon avion. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais là, il n'est pas que cassé l'avion, il est bousillé. Tu lui as bousillé le nez. Ah non! Et comment il vole maintenant? Ok, il vole plus du tout. Allez, vole l'avion. Ok. Ah non! Bon, ils vont aller à la casse les avions. Allez, hop, à la casse.